et le coach de The Voice Kids. Vous le connaissez pas. Maintenant, applaudissez pour ma petite personne, s'il vous plaît. Applaudissez pour moi. Wow, j'ai réussi. 4, 3, 2, 1. People, bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes à la toute première de The Voice Kids Afrique, la toute première sur le continent. Jusque-là, il y avait The Voice et maintenant, il y a The Voice Kids et on est les premiers à inaugurer cette saison dédiée aux enfants. Alors, donc, j'ai eu la chance, le privilège et l'honneur d'être invitée à la toute première, donc, qui sera diffusée. Voilà, on va découvrir un peu ensemble. Et alors, quelle est ma team, de quelle team je suis? Plouf, plouf, plouf. Non, il n'y a même pas à réfléchir, je suis team Daphné. Oui, 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 vous me traiterez de patriote, moi j'assume team Daphné. Donc voilà, donc j'ai trop hâte de découvrir cette saison. Et c'est très, comment dire, c'est très encourageant de voir qu'on va promouvoir le talent des tout petits, des tout jeunes. Et ça leur permet de se dire que l'art, la musique en l'occurrence, c'est une voie dans laquelle ils peuvent s'engager et voilà. Donc, à tout à l'heure. Mon frère, la team Silikid Diabate là, ça me dit quelque chose, hein. Donc, comme Daphné, c'est ma soeur. Mon frère, est-ce qu'on garde encore sa soeur, car Silikid, Daphné, c'est ma soeur, mais Silikid Diabate, tu connais l'histoire, quoi. I'm on the team, KS Blum. Yes, yes, yes. Alors ce soir, je dois avouer, mon cœur balance entre la team Tia et la team Daphné. Entre les deux, mon cœur balance, ça balance et ça rebalance. Oui, bonsoir. Je pense que mon cœur balance hein, pour ce qui est du choix des équipes et de l'équipe. Je crache déjà pour l'équipe de Silikid Diabate parce que je sais que ça sera un peu plus technique. Mais quelque chose m'amène aussi à faire le choix de l'équipe de KS Blum par rapport au chant, au test. De toutes les façons, on va s'amuser, hein, mais pour l'instant, c'est les deux teams qui m'intéressent le plus. Je pense peut-être me tromper en allant plus loin, en voyant la chose évoluer, mais pour l'instant, c'est les deux équipes qui me parlent le plus. Il dit que quoi? Tu as dit que c'est quoi tes teams? La team Silikid Diabate et la team KS Blum. Ah, yeah. Oui. Donc, tu n'as pas mis de la fée. Bah, tu vois. Vous savez, il faut rester professionnel. J'aurais pu faire appel à mon élan patriotique, mais pour le moment, je reste professionnel. Et ça, c'est le professionnel. Oui, oui, oui. Là, c'est le cœur qui doit parler. Mais je n'ai que donné une sorte d'accord de principe, du moins c'est un préambule. Je sais que je risque de me tromper, voyant les choses évoluer. Voilà pourquoi j'ai mis les recettes. J'espère que Daphné va prendre l'affaire. Elle a un immense talent, donc je pense qu'elle pourra aussi détecter le vrai potentiel. Quand je dis team Daphné. Maintenant, applaudissez pour ma petite personne, s'il vous plaît. Applaudissez pour moi. Wow, j'ai réussi. C'est bon, je n'ai pas l'argent à vous donner. Yaoundé, bonsoir. Alors, poule. Il dit bonsoir, aïe. Reprends-moi le son encore. Je suis très heureux d'être ici ce soir, franchement. La première fois que je suis venu au Cameroun, c'était pour la Coupe d'Afrique des Nations. Vous nous avez fait dormir. C'est pas grave, on vous attend. Et tellement on a peur, même là, on repousse même la canne, même comme ça. C'était 2023, après on a repoussé ça à 2024 là-bas. Et j'étais venu, j'étais à Douala. Et là, je suis venu aujourd'hui. Depuis, je suis en train de manger seulement. Jusqu'à je dors, je me réveille. On me dit, comment tu t'appelles? Il dit, il m'appelle Mdolet. Comment tu t'appelles? Il m'appelle Mdolet. Non, j'adore. Franchement, vous avez un magnifique pays. Les gens sont accueillants, les gens sont beaux. Et les femmes, waouh, les femmes, ce sont de véritables scandales de beauté. Messieurs, applaudissez pour toutes les femmes, s'il vous plaît. Si tu es un garçon, que tu n'applaudis pas pour elle, c'est que tu la jalouses. Je veux saluer toutes les personnes qui sont ici. Si vous êtes ici ce soir, ça veut dire que vraiment vous avez votre place de loin ou de près, ou de loin. Vous avez vraiment contribué, vous allez contribuer donc à stariser, je veux dire, cette nouvelle aventure-là. Cette aventure-là dure et a démarré depuis bientôt plusieurs années. On a fait le show, on est parti de l'Afrique du Sud, on est arrivé à Abidjan. Et la première de The Voice Kids est au Cameroun. Et aujourd'hui, on est très fiers. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que The Voice, c'est un parcours de combattant. C'est un vrai parcours de combattant. Ce n'est pas une émission facile à financer. Vous n'imaginez même pas les moyens financiers qu'il faut pour faire une telle émission. Après 3 ans, normalement, on était prêt à abandonner. Mais je pense que The Voice Kids, c'est la première version qu'on fait en Afrique. Le résultat que vous allez voir là, c'est vraiment le résultat d'une équipe de plusieurs nationalités. Je vous assure, entre l'équipe technique qui vient d'Afrique du Sud, mon associé producteur qui vient du Sénégal, les musique-auditeurs qui viennent du Nigeria, Prudence Maïdou qui vient de Centrafrique, vraiment c'est un melting pot. Le fauteuil qui se retourne là, c'est mystique. Vous voyez ça en France, c'est tout à fait. Aucun fauteuil se retourne là, non. On a vécu le fauteuil. Quand vous allez voir ça se retourner, sachez qu'il y a quelque chose. Non, vraiment. Et donc c'est vraiment c'est le labeur qu'on prend à ses enfants, ils nous donnent le bon au cœur. Et je pense qu'on compte sur vous. Il nous reste à peine 3 minutes. Merci Winnie, bonsoir à tous. Je ne vais pas dire grand chose, juste merci d'être là. C'est une belle aventure et on espère que vous allez la savourer avec nous. Le challenge aujourd'hui, c'est de rendre l'Afrique fière. Et pour rendre l'Afrique fière, il faut que les Africains aient conscience de ce que nous valons. Donc, comme Roland l'a dit, c'est une production panafricaine. Mais j'espère que cette année, le Cameroun ne sera pas frustré comme c'est souvent le cas depuis 3 saisons. Donc on va interpeller tous ceux qui sont là d'user de leur influence pour que justement le Cameroun puisse davantage mieux se positionner. Merci en tout cas et profitez bien. Merci. Installez-vous confortablement car la première saison de The Voice Kids Afrique francophone commence maintenant. Sapé, Lili, équilibre, ça va? C'est le diplomate, ça va? C'est quoi le nom? Franck Bikini. Franck Bikini, puis chocolat, tout ça. Alors Franck Bikini, on est content d'être avec toi ce soir. L'Afrique est fière de t'avoir, c'est la pause alimentaire. Les publicités sont en train de passer. Franck, quand tu regardes jusqu'à ce stade de la compétition, est-ce que tu es satisfait? Oui. Non, faut pas dire oui parce qu'on t'a invité. S'il y a quelque chose d'autre, il y a même temps. Mais je suis satisfait. Fais ton choix. Dans tous les cas, tu seras une star. Tu es déjà star. Donc fais ton choix, suis ton cœur, déjà tu es magnifique. Je choisis Daphné. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense que le talent est là. Ça se voit qu'elle a une voix imposante. Oui. Et c'est ça l'essentiel déjà. Donc, il y avait aussi le stress. Donc, dis-toi que tu as déjà gagné parce que tu es déjà là. Oui, tu vas chez Cameroun, va chez Cameroun. Si. C'est de bonne guerre, les amis. On applaudit pour Ful, s'il vous plaît. Ça va, Ful? Continue, continue, toi. Ça va. Wesh, wesh. Alors, Ful, dis-nous, là c'est la deuxième partie, petite pause rapidement. Jusque-là, comment est-ce que tu vois le niveau des enfants? Frère, ils auraient été dans la saison des graines, ils auraient pas sacré. C'est une écrit, non, ils sont. C'est vraiment une écrit. Le niveau est. Là, c'est le genre de truc passeux. Tout le monde regarde, mais après il va me dire frère, tu vois, c'est pas bon, c'est bon. Donc je l'écoute. Merci Ful. À côté de Ful, on a Indira. Est-ce qu'on peut applaudir pour Indira, s'il vous plaît? Alors Indy, je t'ai vu tout à l'heure, la fille, lorsqu'elle a dit, le garçon, pardon, qui a dit lorsqu'il va tenter de faire du gospel, il a choisi KS Blum, avec qui tu as fait un single qui cartonne, qui est écouté presque dans toutes les capitales d'Afrique. Alors, ton impression, dis-moi, en tant que faiseuse de gospel. C'est magnifique, il y a un mélange, un partage de culture incroyable et jusqu'ici je pense que tout le monde mérite de gagner. Ça va? English. I speak English only. Yes. What's your name? Eva. Eva, please make some noise for Eva. Eva. Where do you come from, Eva? Shut up, Vivi. Eva. Eva. Okay, I am Jolie. I am broke. I think that you want to marry me. I'm not telling you. Je suis payée de The Voice quand pendant a reçu un message que le collègue est venu me dire à mes enfants, je me suis payée jusqu'à. Je n'ai même pas cru. J'ai promis de garder cette émotion, de la faire ressortir dans ma chanson, de la faire connaître partout dans le monde, ça va un peu tout ça va laisser un autre se passer et amour et l'amour. Allez, bonjour madame, bien. Mais c'est juste une première chose que je vois et c'est l'occasion de féliciter notre sœur Roland qui a fait le merveilleux. Je suis tellement content de voir ce que je vois et j'espère qu'à la fin, une Camerounaise va venir. On dit quoi? On espère en tout cas. Mais la Côte d'Ivoire aussi est là. Je chante depuis que j'ai 5 ans. J'écoutais souvent les chanteurs célèbres, les chanteurs à la télé, ça m'a donné envie de essayer. J'aime danser, je danse un peu de tout. Ce que je maîtrise le mieux, c'est la danse. Je voudrais que mes parents soient fiers de moi quand nous verrons chanter. C'est normal, ce genre de scène, quand tu viens le stress, donc au niveau de la justesse, c'est pas forcément, tu vois, ça donne pas comme on veut, mais ça c'est pas un problème, on va travailler et on va produire un bon truc, d'accord? On va le faire ensemble, ok? Dis-lui juste maman, je vais te rendre fier. En tout cas, je vais te rendre fier et je sais ce que je fais. Je te mérite toujours. C'est ça que je vais faire, Inch'Allah. Bisous. J'ai pris le temps d'écouter un peu jusqu'à la fin. Je pense qu'on peut changer beaucoup de choses par rapport à, surtout à la justesse. Je pense que ça part qui tu es. Mais moi, je sais qui tu es. Ça va, Yus? À quoi on va faire? Ça va? Tu étais à Paris récemment, tu voulais me montrer? Non, je ne veux pas à Paris, on m'a dit. Mais bon, je dois dire que le Cameroun, c'est la meilleure planète au monde. Voilà. Donc, je suis là! Ouais. Tu es dans une femme pour 7 de 7 pas 5, 6 cm, elle avait un sourire lâche comme un format AK. C'est comme si ça avait ces jolies lèvres qu'on a fabriqué le bisou qu'on utilise dans son WhatsApp pour frapper les gens. Bon, alors, tes premières impressions comme ça, à chaud. C'était la première, il fallait la coucher, on a vu plein d'imperfections. On va s'améliorer. Les enfants s'apportent tellement d'émotions. Et on croit que essaie de l'aider. De mieux en mieux, moi. Et le Cameroun, c'est super bien. On avait encore sur vous. Allez, on a parlé. Et je pense que pour le prochain vote, celui-ci sera véritable de faire arriver. Parce qu'on avait affaire à cause de ce texte. Mais quantitatif en termes de talent, en termes de professionnalisme, en termes d'organisation, nous sommes complètement fondés et satisfaits du gouvernement ici. Moi-même, je vais participer l'année prochaine. Je serai déjà une petite partenaire. Oui, un petit bout. Alors, les premières appréciations, ça promet, ça promet. C'est une belle fête. Vraiment, ça va être un grand moment de télé. Ça va réveiller les gars qui sont derrière. Et ça, on a hâte de voir ce que cette aventure à la fin. Elle est beaucoup plus différente en tout cas. Et bon, j'attends à l'heure prochaine pour le prochain en tout cas. Alors, on a vu la campagne, c'était pour le Il n'y a rien qui soit après. C'est une première en plus en Afrique. Il faut changer les personnes qui sont vulnérables de l'enfant, de leur intelligence, pour faire venir le vote, la société, alors, bien, je viens pour que vous appreniez The Voice Kids Afrique, donc, quel message serait-il? Moi, je vous réponds, c'est plus la peur des enfants. C'est le message de l'homme, c'est le message de l'homme, les enfants sont pas. Tu peux dire un programme et tout ça, plus que de voice normale. Il y a énormément d'émotions. Les enfants, c'est plus le temps des enfants qui ne sont pas en recherche. Il faut trouver les conflits. Bon, à quoi un spectacle, si à Yaoundé ou à Douala pour les Camerounais africains, et comment à quoi un spectacle lié au Cameroun? Avant de se réunir ensemble, tout l'enfant besoin de tout, avant de réunir ensemble, on attend,